Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de graphes, de théorie des graphes et de détermination des caractéristiques de base d'un graphe, histoire de revoir le vocabulaire. Donc, je te mets tout de suite en fiche les formats courts qui font référence à tout ça. Je pense que c'est important de bien les travailler avant de se pencher sur l'exercice. Et donc, on commence par une première question où on te demande de déterminer l'ordre du graphe ainsi que le degré de chaque sommet. Donc, c'est un prétexte pour réviser le vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que l'ordre d'un graphe? Eh bien, c'est tout simplement le nombre de sommets qu'il compose. Donc ici, de A à G, il y a 7 sommets. Donc l'ordre de ce graphe, c'est 7. En revanche, qu'est-ce que le degré de chaque sommet? Eh bien, pour les lister, on va détailler tout ça dans un petit tableau. Le degré de chaque sommet, c'est le nombre d'arêtes qu'il rejoignent. Que ce soit dans un graphe orienté, une origine d'arc ou alors une extrémité, peu importe. Donc pour le sommet A par exemple, en comptant, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5 départs ou arrivées d'arc, donc le degré c'est 5. Pour B en revanche, attention, B est une boucle, enfin en tout cas il y a une boucle sur B. La boucle compte pour 2, puisqu'on peut aller dans un sens ou dans l'autre, même si ici le graphe est orienté, je le répète, on regarde simplement si B est à l'origine ou à l'extrémité de l'arc. Donc là, on compte double, plus celle qui va à G, à F, à A et à C, ce qui fait un total de 4 plus 2, 6. Le degré de B, c'est donc 6. Le degré de C, 1, 2, 3, 4. Le degré de D, 4, pareil. Le degré de E, attention, de E à D, ça fait 1. De E à F, ça fait 1, ce qui fait déjà 2. Plus la boucle qui compte double, donc 4 également. F, 1, 2, 3, 4. Et puis G, 1, 2 et 3 arcs. Donc, voilà ce tableau de degrés qui est rempli. Au passage, petit rappel, qu'est-ce qu'un arc? C'est tout simplement une arête, mais une arête qui a une orientation. Donc, une arête d'un graphe orienté. Deuxième question, on vous demande d'en déduire par un calcul le nombre d'arcs de ce graphe. Eh bien, première remarque déjà, si on additionne 5, 6, 4, 4, 4, 4 et 3, on obtient 30. Donc la somme des degrés des sommets, c'est 30. Or, on a une propriété, la propriété des sommes des degrés, ou alors le lemme des poignées de main, c'est le nom qu'on lui donne parfois, qui nous dit qu'en fait, eh bien, cette somme des degrés est égale au double du nombre d'arêtes ou d'arcs. Donc 30 divisé par 2, 15 arêtes, qu'on peut éventuellement tenter de dénombrer, même si ça peut être compliqué sur un graphe pareil. 1, si je pars de E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sur B. Tout va bien. Question 3, déterminer une chaîne de longueur 5 reliant A à C. Une chaîne, ce qu'on appelle aussi un chemin. C'est une liste ordonnée de sommets avec éventuellement répétition de sommets. Donc on peut proposer par exemple, pour aller de A jusqu'à C, si je vais directement de A à C, je vois que je suis bloqué, vu que C, c'est l'arrivée de plusieurs flèches, mais aucun départ. Donc si je transite par exemple par D, ça peut faire AD, ADF, ADF, B, je refais une boucle sur B, et j'arrive en C. J'ai refait une boucle sur B tout simplement pour avoir ma longueur 5, sinon j'aurais eu une longueur 4. Je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien 5 arêtes, 5 arcs ici qui ont été impactés. J'ai une répétition au passage, BB, mais ça c'est tout à fait possible dans une chaîne. Question 4, est-ce qu'on peut trouver un cycle, cette fois-ci, d'origine A? Cycle, c'est ce qu'on appelle aussi parfois circuit fermé. Donc un cycle, c'est une chaîne dont l'origine et l'extrémité coïncident. Donc en partant de A, ça peut donner par exemple A, D, F, A. Cycle, chaîne fermée d'arêtes différentes. Ici, pas de répétition. Et au passage, on a un cycle de longueur 3. Peut-on trouver un cycle d'origine C? Et ça va être un peu compliqué puisqu'on voit que C, en fait, c'est un sommet qui constitue en fait une extrémité de 4 arêtes, de 4 arcs, et pas l'origine. Donc compliqué, impossible, parce que C n'est l'origine d'aucun arc. Donc voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura éclairé sur le vocabulaire de base des graphes. N'hésitez pas à aller checker les formats courts qui sont en relation avec ce qu'on vient de voir là.
Si c'est clair, c'est parfait. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !